De base, c'est non. Donc, c'est les managers. Après, la réconciliation, c'est les managers. Parce qu'en vrai, de vrai, le storytelling, il est incroyable. Deux mecs qui sont supposés se tuer, ils font un album sans que personne le sache. Et il arrive de ça. En plus de ça, il arrive au Zénith et on l'annonce comme ça. C'est un truc de ouf, t'as capté. Non, franchement, c'est. Mais moi je t'aimerais pas, t'as vu, j'ai reçu énormément de messages de force, carrément des rappeurs à qui je parlais même pas, des mecs croyaient, on s'aimait même pas trop. J'ai reçu des messages qui m'ont fait chaud au cœur de ouf. Et j'ai reçu un message de ce négro carrément, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il me veut lui, c'est pas le moment. Tête de Wam, j'ouvre, gros pavé, gros pavé, gros pavé, gros pavé, comme personne. Carrément. Moi j'ai répondu en vite fait carrément. Je crois même j'ai liké, j'ai pas répondu, t'as vu. Et il a continué, il m'a encore envoyé un message, encore. Voilà, carrément, ça m'a touché. Ça m'a touché. Et après ça, on a pu s'asseoir autour d'une table et discuter. T'as capté, régler nos trucs d'abord et ensuite parler musique. Et ensuite, boum, 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 let's go. 2 semaines Barcelone, on a reçu le Dawa. On a reçu le Dawa. J'espère que les gens vont kiffer l'album. Il y a de tout dedans, tu connais. Faut pas écouter les petits zizi qui disent que 2 semaines de travail, c'est rien.